Radio. Push it. Bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie et aujourd'hui donc nous allons vous présenter ce jeu Voxed to Playroom. Donc c'est un jeu qui se joue à deux et donc pour jouer à ce jeu donc j'ai invité une nouvelle fois mon amie Estelle. Estelle, bonjour. Salut. Donc on a fait une petite partie pour s'entraîner juste avant, donc on va de nouveau un petit peu se faire un petit échauffement avec un deathmatch, ok? Ok. Donc un contre l'autre. Donc il y a plusieurs styles de jeu. Donc on a déjà configuré nos contrôles. Hein. Donc de façon à ce que, parce que par défaut c'est en clavier américain. Donc on ne fera pas de pause. Donc il se peut que notre voix soit désynchronisée vis-à-vis de la vidéo. On s'en excuse. Et donc on va, donc là on est l'un contre l'autre pour cette petite partie d'échauffement. Donc on fait combien, 5 kills encore? Ouais. Comme tout à l'heure. Allez, donc le premier arrivé à 5 kills gagne la partie. Donc là on a pris une map un petit peu labyrinthe, hein, donc pour que ce soit un peu plus fun. On aurait pu très bien prendre une map assez plate, mais... Ok, donc j'ai pas grand chose. Ah, le nul. Ah, j'ai quand même une arme. Yeah, one shot. Donc oui, donc l'homme en costard, donc c'est Estelle et donc moi je suis le militaire, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris. Oula! Ah d'accord, ok. Ah, je suis outé, toi. Ah bah. Ça... Ouais! Ah non, 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 on s'est tués tous les deux. Je me suis suicidé en même temps. Donc t'as un kill sur moi. Voilà, donc on a tous les deux le fusil laser apparemment. C'est quoi tout ça qu'elle fait? Et donc Estelle est beaucoup moins initiée que moi, hein. D'ailleurs ça se voit au nombre de kills, donc qu'est-ce que j'ai? J'ai le lance-roquette, j'ai le ray gun. Bah, je vais garder le ray gun. D'accord, donc toi, tu vas carrément lance-roquette, toi. T'en as... Ah non, d'accord, ok. Je pensais que... Eh, je t'ai eu. Ouais, bon, donc, j'ai l'avantage de connaître un petit peu le terrain, donc... Ah! Non! Bien joué. Ah bah tu te débrouilles mieux que tout à l'heure. Alors là par contre, je suis désolé. J'ai mon arme préférée. Ah non, j'y crois pas. Eh, t'apprends vite quand même. Bon. C'est moi, c'est normalement faut voir. Non, je crois pas. Elle m'a rattrapé. Oh non. Ok, donc quand on sera en mode coopérative, hein, faut absolument qu'on débloque le ray gun le plus vite possible parce qu'apparemment t'as l'air pas mal doué avec ça, toi. Non, 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 non.
Ok, bien joué Estelle, donc. Ok, bon. Bon, donc on va se faire une petite coopérative. Ah là là, comment je me suis écrasé ce coup-ci. On aurait mieux fait d'enregistrer tout à l'heure où je t'ai écrasé 0,5, mais bon, ça fait rien. Bon, donc on va partir sur une coopérative. Donc ce coup-ci, on va être ensemble. Donc on prend encore la gladiateur comme tout à l'heure. Je sais même plus ce qu'il y a dans les options. Attends, je regarde rapidement. D'accord, donc on a quand même la difficulté. Alors ça, je savais plus qu'on avait fait ça. Donc en Nightmare, les créatures sont beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus rapides. Donc on va éviter, hein. On va rester en facile. De toute façon, je présente pratiquement tous mes jeux en facile. On peut encore diminuer la rapidité des monstres si on veut. On veut le sort normal, hein, quand même. Bon, donc j'ai pas vraiment regardé à ça, mais bon, ok. Donc on a pas mal d'options, hein, donc on peut faire varier les gameplays assez. Voilà quoi, on peut avoir un gameplay plutôt varié. Donc le nombre, donc les maps, on vous les montre pas forcément, mais il y a aussi énormément de maps sur ce jeu. Ah non, on récupère pas les munitions tout de suite, on n'a pas débloqué les armes. Donc attends, je monte ça rapidement quand même. Donc là en fait, plus on va tuer de zombies, plus on va pouvoir débloquer des équipements. Donc pour le moment, on part qu'avec le petit pistolet de merde. Et donc après, donc on peut développer donc la rapidité donc du pistolet. On va développer donc le fusil à pompe, le fusil à rayon, le lance-roquettes, les mines. On va pratiquement tout déverrouiller. Oh le nul! Bon, ça fait un. On recommence. Voilà. Donc récupère pas les caisses tout de suite. Faut que d'abord qu'on tue quelques zombies. Donc les caisses autour là explosent, donc il faut éviter de tirer dedans. Tu peux commenter Estelle hein, si tu veux, hein. T'es là. Concentré. Ouais, je vois ça. Donc au niveau sonore, le jeu est plutôt agréable, hein. Donc graphiquement, là, le sang qu'on a au sol, c'est vraiment marrant. Ça a bien fait marrer Estelle tout à l'heure en voyant ça. Bon, on a débloqué le Uzi, hein, si ça t'intéresse, Estelle. Donc, quand l'un d'entre nous meurt, il faut que l'autre survive quelques secondes afin que l'autre puisse ressusciter. Faut savoir qu'en coopérative, on peut quand même se tirer dessus, donc ce qui est assez ennuyeux. Voilà, merci Estelle. Ça, c'était un parfait exemple pour illustrer ce que je venais de dire. C'est pas possible. Bon, bien joué pour le diable. Enfin, si tu arrives à l'avoir. Non. Oh, le fail. Ce sera moi qui l'aura. Non, même pas. Me suis pris 2 balles là. Je crois que ça venait de toi. Un peu comme Rambo, tu sais. Ouais, je me suis pris 2 balles. Je crois que ça venait de toi. Ah là 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 là. On a toujours pas débloqué le fusil à pompe. Donc ça arrive un petit peu de tous les côtés, hein. Donc selon les maps, on peut avoir des points d'entrée et de sortie différentes. Enfin non, pas de sortie, que des points d'entrée, en fait, je suis con. Je crois que je t'ai tiré dessus. Ah non, il y avait un zombie entre les deux. Bah t'as de la chance. Oh oui, pourquoi je m'acharne à taper sur la barre espace alors que le Uzi il est automatique? Ok, ça c'est fait. Ah bon, on a débloqué le fusil à pompe. Alors, le fusil à pompe, c'est une de mes armes préférées. Surtout quand elle est développée au maximum. Ah, t'as vraiment du mal avec les diables, toi, hein. Donc on a que deux monstres différents. Alors, faut savoir que Boxed to Playroom, ce n'est pas un seul jeu. Enfin, To Playroom, non, Boxed, c'est toute une série de jeux, tous sur le même thème, et il y a des. Je sais
sais plus quel nom, mais il y a un jeu Boxed où il y a beaucoup plus de créatures spéciales. Donc on a même des fantômes qui sortent du sol un peu sans prévenir. Donc le jeu n'est pas évident non plus. Mais la série des Boxed, on s'amuse pas mal, hein. Oui, donc je connais pas le développeur, j'ai pas regardé au nom du développeur. C'est vrai que d'habitude je présente les développeurs. Par contre, c'est encore une fois sponsorisé par Crazy Monkey Game. Donc je présente beaucoup de jeux quand même sponsorisés par cette marque. Donc à la fin, le sol finit par être entièrement rouge, hein, tellement on aura buté du zombie et... Et des diables. Aïe aïe aïe! C'est sur moi qui s'est pris. Ok, donc on a débloqué les barils apparemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a débloqué les mines? Non. Pas débloquer les mines, ça fait rien. Je reprends. Hop. Heureusement que c'est qu'un jeu vidéo parce que ce serait en vrai, je m'inquiéterais d'être en équipe avec toi, sérieux. Bon, ça fait rien. Voilà, par exemple, oui. Merci pour toute la décharge de Uzi dans la tête. Ça fait toujours du bien. Ça fait plus de bien quand ça s'arrête, comme on dit, comme dirait l'autre. Ok, hop, lui. Retourne en enfer. Crève. Ouais, c'est encore un jeu où je vais finir par m'énerver quand même, malgré ça. J'adore ce jeu, sérieusement, par contre. Puis au moins, on peut jouer, voilà, avec quelqu'un comme ça. C'est assez amusant. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai appuyé là. T'appuies sur contrôle. Ah mais zut, je t'avais prévenu pour les jeux. Faut pas appuyer sur contrôle. Oh non, c'est pas vrai, on va tout devoir recommencer. Pas encore. Bon. Donc, epic fail de Estelle. Donc, en plus, on. Bon, donc, je vais remettre en plein écran et. On vous reprend tout de suite après une petite ellipse. Ok, donc on est reparti. Ok, c'est surtout tu réévites d'appuyer sur la touche contrôle. Mais bon, c'est. Je t'ai dit, hein, si tu veux qu'on change les touches, y a pas de problème. Hein. Non, c'est bon. Ah, j'aurais dû te proposer ça avant de relancer le jeu, mais ça fait rien. Bon, donc on recommence avec le pistolet de merde. Ah dommage, en plus on n'était pas mort une seule fois, on avait atteint le niveau quoi? Niveau 3, niveau 4? Je sais même pas, j'ai même pas regardé. J'aurais dû profiter de l'ellipse aussi pour regarder qui était le développeur, ça fait rien. Donc on a amélioré un petit peu notre revolver, mais pas plus que ça. Donc dès le niveau 2, on commence déjà à avoir un diable. C'est niveau difficulté, donc ça augmente très très vite. Bon, heureusement que les armes augmentent au fur et à mesure. On a débloqué le Uzi. Estelle, si tu veux. Ah, c'est pas vrai, il est tenace, hein, le pourri. Ah, oh, génial. On a développé aussi le fusil à pompe. Je te le dis. Bah, tu te débrouilles mieux avec quoi, toi? Le Uzi ou Avec le. lui ici, ouais. Avec le Uzi? Ouais. Ok. Donc, on a vraiment que les sons donc des fusils et des zombies qui avancent de temps en temps. Sinon, on a absolument pas de musique de fond. Bon, c'est un choix. À la limite, vaut mieux ne pas musique du tout plutôt qu'une musique assez agaçante. Genre une musique pour ceux qui connaissent dans. Oh, comment ça s'appelle? Postal Eternal Damnation. Parce que la musique de fond
est assez stressante et vu qu'elle est en boucle, elle devient même carrément agaçante. Donc là où moi, avec Boxed, on n'a pas ce problème. Oui, donc Eternal Damnation n'est pas un jeu flash, hein, c'est un jeu de PC. Je sais même pas pourquoi j'en parle d'ailleurs. Aïe 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 aïe! Je me suis pris deux boules de feu, ça fait rien. Allez, crève, 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 crève. Le mec qui s'achète, tu sais. J'adore, mais j'ai vidé tout mon chargeur de fusil à pompe sur lui, quoi. Ok, donc je peux maintenir le. Là. Oula. Bon, il reste un seul, je te le laisse. Donc, de toute façon, vu qu'on est en coopérative, hein, c'est pas celui qui tuera le plus de zombies, hein, le score est commun. Hein, donc, y a pas. Ouais, je te laisse le moi. Non, non, là, c'est tout. On tire dans le tas, on évite de se tirer dessus et c'est tout, quoi. Venir en aide à l'autre quand il en a besoin, tu vois, par exemple là. Joli. Donc moi j'ai plus que 7 balles à mon fusil à pompe, j'aimerais bien en récupérer. Voilà, nickel. Donc on a. Oula. On a développé les faux murs. Bon, les faux murs on s'en sort pratiquement jamais, hein, sauf si on veut. Dans certains scénarios, c'est toujours utile les faux murs. Par exemple, dans le château, comme on était en coopérative là, quand on est avec des zombies là-dedans, c'est toujours utile de bloquer des issues, des trucs comme ça. Mais là, ici en gladiateur, les faux murs sont pas très très utiles. Je pense que si je récupère la caisse là, je vais récupérer de la vie. Ouais, c'est bon. Oula! Niveau 7. Allez, attendez, je coupe le son une minute. Bon, ok, désolé, excusez-moi. Bon. Donc moi je suis mort, donc j'ai perdu absolument tous mes bonus. Donc il faut absolument que je récupère une caisse orange. Vas-y, laisse-moi passer. Des barils, ok, donc j'avais pas besoin de ça, ça fait rien. Donc j'ai toujours mon vieux pistolet tout pourri. Ah voilà, fusil à pompe. Là au moins on devient sérieux. Ok, donc excusez-moi, j'ai encore coupé le son, mais donc l'avantage tu vois avec ce micro-là, c'est que je peux couper le son quand je veux, c'est assez pratique. Désolé à ceux qui écoutent. Bon, c'est une option que je me sers très rarement quand même. On a fait plein de munitions là, donc. Hein, qu'est-ce que. Ah, c'est pas vrai!
Bon, excusez-moi, il y a encore eu un fail, je sais pas d'où ça vient. Ah si, enfin si, je sais d'où ça vient du côté d'Esther encore. Je sais pas dans quelle touche t'as appuyé encore. Mais... Bon, bah là, je suis mort, donc ça fait deux fois quand même. Et pour des bêtises. Et t'es pas morte une seule fois quand même, toi, depuis le départ. Hein. Et moi, j'attends toujours que les bonus surviennent parce que... Voilà. Et toi, t'as plus que le pistolet aussi au moins. Ouais. Non! Si je crois. Aïe 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 aïe, ça sent le roussi là. Oh, les barils, j'ai... Allez, hop, ça c'est peinard. Non! Allez, allez, le fusil à pompe. Non, c'était de la vie. Ah, c'est pas vrai. C'est ça, allez vers celle, allez vers celle. Gros salaud, tu sais. C'est bon, allez. Je me l'ai fait. Hey! Niveau 9. Eh ben, dis donc. T'as appuyé sur quoi pour sauvegarder tout à l'heure le jeu? Non, ça. Ok, ça n'est pas habitué à jouer sur émulateur, hein. T'as déjà joué à des jeux Flash sinon, à part celui-là, Ouais, bah non? oui. Oui. Hein. Tout le monde a déjà joué à un jeu Flash, remarque. Oh, c'est comme ça, on fonce dans le tas, oh, on pose plus de questions. T'es morte? Pas que je... Oui! Bon, dommage, il est pas très très développé, mais au moins il fait du dégât. Oui! Ah voilà! Là, j'aime ça! Quand on a le fusil à pompe qui tire en rafale comme ça, franchement, c'est jouissif! Il n'y a pas d'autre mot! Et désolé pour les enfants qui regardent, mais. Bon, deux fois tu me fais le coup, toi. Et le pire, c'est que le jeu se met même pas en pause quand c'est comme ça. Ah d'accord, elle était morte en plus. Ok, oui, bon. J'ai bien fait de réagir assez vite et me barrer assez à temps, quoi, parce que... Donc si on meurt tous les deux, c'est game over, hein. J'ai oublié de le préciser. Bon, ok, donc j'ai utilisé toutes mes balles, ça fait rien. Là, il tire en rafale là. Donc, faut croire aussi que que plus on avance dans les niveaux, plus les démons là, ou les diables, plus ils tirent vite. Donc, ce qui rend le jeu hein, toujours moins faisable. Donc, désolé de t'avoir tiré un petit peu dessus, Estelle. Ah, on a les mines. Ça c'est toujours utile aussi. Ok, bon. Ah, alors, c'est bon, on... Ok. Oui. Oula, oula! Je sais pas qu'est-ce qu'il a eu. Ah non, c'est toi qui l'as eu. Ok. Ah bah, j'avais besoin de vie, moi. Donc ouais, donc quand on ressuscite, hein, on clignote un petit peu et donc c'est bah, comme dans la plupart des jeux, donc c'est on est immortel pendant quelques secondes. Non, c'est pas vrai. What the... Ah d'accord. Bon, je me suis suicidé, mais hein, c'est quoi ce bug?
Oh non, mais c'est pas vrai! Qu'est-ce que tu nous as encore fait, toi? Bon, ok, donc le jeu a planté lors de la résurrection d'Estelle, encore une fois, donc je sais pas ce que. Je crois qu'on va arrêter là, non? Hein? Bon, c'est dommage, bon, donc c'est dommage. Donc, Boxed, donc c'est. Donc, pour résumer, donc c'est un très très bon jeu. Le jeu est assez réactif, au niveau gameplay, on s'amuse beaucoup. Hein, Estelle, tu t'es beaucoup amusé là? Bon, comment il y a. Graphiquement, bon, bah, c'est standard, mais c'est assez bien réalisé. Au niveau sonore, bon, bah, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, c'est pas désagréable. Donc, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Donc, on va quand même essayer de voir. Donc voilà, donc apparemment, donc ça a été développé par Sin Cooper. Hein, Boxed a été développé par Sin Cooper. Bon, donc c'est. Donc j'irai voir un peu ce développeur un peu plus en détail pour voir un peu ce qu'il fait d'autre. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous si vous le désirez. Et je vous dis à bientôt. À Estelle. bientôt!